Écoutez-moi bien, vous avez vu ma tête, je suis en post-angine, ok? Darling m'appelle juste après que je sors déposer ma fille. Elle me dit, viens, on va manger. Bon bref, je la rejoins. Vous savez ce qu'on fait là? On va manger vite fait, enfin surtout elle. Et après, on va au ciné. Voilà, voilà. Regardez ma star. Elle est trop belle, t'es trop une star. T'es trop une star, t'es trop belle. Parce que j'aime trop les pop-corn. Eh, c'est un sketch cette soirée. Vous savez qu'elle m'a fait tromper de route. La tête de mort. Arrête, allez, c'est bon. Eh, je l'enlève. Eh, je suis trop contente juste pour les pop-corn. Je sais même pas ce qu'on va voir. Je sais même pas. Je sais déjà qu'on est en retard. Allez bien, ce matin je suis allée chez le docteur de souche. J'ai fait un soin de médecine esthétique. C'est pas un soin que vous pouvez faire en institut, c'est vraiment dans un cabinet esthétique. Et en fait, j'ai fait un soin qui s'appelle le skin pen. C'est comme le micro-needling, mais c'est beaucoup plus en profondeur. Vous savez, le micro-needling ça picote un peu, et le skin pen ça vient vraiment piquer votre peau en profondeur. Et en fait, ça va renouveler la peau, ça va resserrer vos pores, tout ce qui est cicatrices, taches, etc., tout va disparaître. Donc bah, forcément le premier jour vous êtes très rouge, hein, donc ne prévoyez pas de sortir le soir ou même la journée, parce que bah, pas de maquillage ni quoi que ce soit. Et dans quelques jours, bah, ma peau elle sera nette de ouf. Et en fait c'est comme aussi un petit peeling, c'est-à-dire la peau elle va peler, enfin en fait votre peau elle va se renouveler. Et c'est trop de la bombe, et je suis trop contente. Je vous montrerai, j'ai fait une photo avant quand j'étais vraiment rouge, et après. Déjà là je trouve que ma peau